Dans un village pittoresque du sud de la France, au cœur de la Provence, la guerre gronde, mais la vie continue. Le petit marché du village, niché entre des ruelles pavées et des maisons aux volets colorés, devient le centre de l'univers des habitants. Ici, sous les platanes, chaque étal est un monde en soi, chaque vendeur un personnage avec son propre récit, et chaque client, un acteur de ce théâtre quotidien. Le marché n'est pas seulement un lieu d'échange de biens, mais aussi de nouvelles, de regards furtifs et de secrets murmurés. À l'ombre des parasols multicolores, les fromages, les fruits et les légumes s'étalent en une symphonie de couleurs et d'odeurs, mais sous cette apparente normalité, l'atmosphère est chargée de tensions. Point Marie, la fermière aux joues rougies par le soleil, est une figure emblématique du marché. Avec son large sourire et son panier de produits frais, elle semble inoffensive. Pourtant, elle cache des messages dans des bocaux de confiture destinés à la résistance. Ses conversations enjouées avec ses clients réguliers sont en réalité des échanges codés, où un mot de travers peut changer le cours de la journée. Pierre, le boucher du village est un colosse aux mains de fer et au cœur tendre. Ancien soldat de la Grande Guerre, il est respecté de tous. Ses saucisses et ses rôtis attirent les clients, mais il attire aussi l'attention des autorités allemandes. Pierre cache dans ses arrière-salles des résistants en fuite, offrant sa viande en échange d'informations précieuses qu'il transmet ensuite au réseau clandestin point à côté, Lucette, la fleuriste joue un jeu tout aussi dangereux. Ces bouquets colorés ne sont pas seulement destinés à embellir les tables, mais servent également de moyens de communication. Un bouquet de roses rouges peut signifier une attaque imminente, tandis que des marguerites annoncent un passage sûr. Lucette observe tout, ses yeux perçants ne manquent rien, et son silence et d'or point les clients, quant à eux, ne sont pas tout ce qu'ils semblent être. Certains sont des villageois ordinaires, d'autres des espions envoyés par l'occupant pour déceler les activités suspectes. Le marché est un champ de bataille invisible, où chaque geste est scruté, chaque mot est pesé, et où la moindre erreur peut être fatale. Il y a aussi Jeanne, une jeune veuve qui vend du miel et des œufs, qui ne semble pas impliquée dans les affaires clandestines. Pourtant, elle cache un poste de radio sous son étal, prêté par les Anglais, grâce auquel elle écoute les nouvelles et les communique aux résistants. Son apparente naïveté et sa meilleure arme point à travers ces histoires entrecroisées, le marché devient un symbole de la résistance tranquille, de la vie qui continue malgré la guerre, et du courage ordinaire des gens du village. Chaque marché est une nouvelle page de l'histoire où l'espoir et la peur se côtoient. Le village vit au rythme du marché, et sous l'apparente simplicité de l'échange de biens, c'est un véritable réseau de solidarité qui se tisse, prêt à tout pour préserver la liberté.